C'est déjà le quatrième verre et je suis toujours pas bourré. J'ai l'impression que la fièvre du samedi soir a du mal à venir. Pourtant, quand on est flic, l'alcool, ça devient vite l'un de vos meilleurs amis. Dans cette ville, en tout cas. Ce qui est sûr pour l'instant, c'est que je suis pas assez saoul pour rentrer chez moi affronter ma femme. Ah non. Ma femme, c'est le genre de femme qui vous montre qu'un visage sur trois. Ah, peu importe. Ce soir, faut chasser les pensées noires. Gloire à l'Amérique. Car en ce 2 septembre 1945, le grand empire du Japon vient de signer sa reddition. La guerre m'a pris une jambe, ouais. Et un peu plus aussi. Mais c'est pas cette reddition qui me rendra tout ça. Curieux. C'est plutôt vite pour un samedi soir. Quoi qu'il en soit, je suis bien mieux ici en compagnie de ces gueules patibulaires qui donnent vie à cet endroit. Ah ouais, ils sont tous des rats. Ils viennent se terrer ici comme dans un égout. Tout comme moi finalement. Lui, c'est Orlando. Un magicien tout droit sorti de prison. Dans le passé, ce gars aurait pu vous ruiner en un tour de passe-passe. Vos mises, messieurs. Ah, le pauvre diable. Il a été balancé par sa femme. Et après avoir tiré 5 ans pour escroquerie, il est parti au front en échange d'une réduction de peine. Il y a laissé son œil et a survécu. Il a fini ici. Et maintenant, il anime la table de jeu du samedi soir. L'homme assis dans son fauteuil, c'est un révérend. Un genre d'homme encore respectable. C'est la première fois que je le vois ici. Faut dire que c'est pas vraiment le genre d'endroit pour un homme d'église. Peut-être bien qu'il essaie de prêcher la bonne parole. Eh, franchement. Si Dieu pouvait faire quelque chose pour cette ville et cet endroit, ça se saurait. Lui, on l'appelle l'Irlandais. C'est certainement le roi de tous les rats. Je crois pas l'avoir déjà vu sobre. Jack. Corruption policière. La sécurité de la ville remise en cause. J'ai l'impression que t'as des embêtements, pas vrai? J'ai l'impression que c'est plus important que la fin de la guerre. La police, c'est plus ce que c'était, hein? Ça a toujours été comme ça. Je cherche un pigeon pour porter le chapeau et devine quoi? J'ai le profil parfait. Pas de chance. Fallait que ça tombe sur toi, hein. Tu devras te faire tout petit pendant quelques temps. Aussi petit qu'une souris, Marcus. Marcus. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce pauvre bougre. Un Français qui a quitté son pays quand les Allemands envahissent Paris. Pour le bonhomme, tout va bien tant que l'auberge marche. Guerre mondiale ou pas. Zelle. Et voilà la cerise sur le gâteau. La putain la plus respectable de tous les bordels de l'univers. Clara. Ça résonne comme le nom d'une pierre précieuse. Ça, c'est le genre de femme pour lequel on tue. Et au milieu de tout ça, il y a moi. Moi et mes emmerdes, comme dirait l'autre. Et en même temps, personne n'a dit que le métier de flic était facile. Parfois, dans ce métier, on est obligé de faire des concessions.
Quand le maire cherche des preuves de corruption policière et que des journalistes foireux viennent foutre leur nez là où il faut pas. C'est important de savoir effacer ses traces. Besoin de vous faire un dessin ? Ça pue cet endroit. J'avais jamais vraiment remarqué avant. Sûrement parce qu'à partir d'aujourd'hui, je veux plus gagner ma vie en écartant les jambes pour ces chiens crasseux, prêts à se jeter sur moi comme sur un os. J'en ai assez de supporter les coups quand l'un d'eux commence à m'aimer trop fort. Tout ça me dégoûte. L'atmosphère sera étrange ce soir. Et l'orage violent. T'es une indienne, pas vrai? Ouais. Je sens ces choses. Vrai prénom. Et les Indiens vivent en Inde, monsieur. Christophe Colomb s'est trompé de route. Je suis Cheyenne, par ma mère. Cheyenne. Hey. Mon grand-père a beaucoup étudié ta race, tu sais. Il avait un crâne de Cheyenne dans son cabinet. Ma plus belle pièce, il disait. Un trophée de la bataille de Sand Creek. Sand Creek n'était pas une bataille, monsieur, c'était un massacre. Wow, 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 sors pas ton tomahawk, ma belle. Il n'y était pas en personne. Il a racheté ce crâne à un ancien soldat de Shivington. Ah. La phrénologie, tu connais? L'étude des crânes humains. Il m'avait montré ce qu'il appelait la bosse de la cruauté. C'est une sorte de petite enflure qui se situe là, à l'arrière du crâne, un peu au-dessus de la nuque, tu vois. Et cette bosse de la cruauté, c'est ce qui expliquerait pourquoi tous tes ancêtres étaient des sauvages sanguinaires. Et puis, finalement, il s'est rendu compte plusieurs années après que ce crâne, c'était celui d'un homme blanc. Bon. L'ancien soldat était un pilleur de tombes et mon grand-père était un pigeon. C'est drôle, hein. On se fait la guerre. Et puis quand on est réduit à l'état de cadavre, on se rend compte qu'on a tous la même tête de mort. La phrénologie, connerie. L'odeur. Y'a que ça de vrai. T'es une bâtarde, toi. Et ton père? Ton père? Ton père est un Mexicain puant, je parie. Non, il était Irlandais. Bonsoir, monsieur. Monsieur Wallace, s'il vous plaît.
Donnez-moi de quoi braver cet orage. Vous n'avez aucune limite ce soir, monsieur Clayton. Que voulez-vous ? C'est pas tous les jours qu'on gagne une guerre, hein ? Je ne fais que fêter notre belle victoire. Vous avez dit belle victoire ? Vous le pensiez en hyperbole, j'espère. Je ne vois rien de beau quand je regarde ce que cela nous a coûté. Ce qui compte, c'est le résultat, non ? De toute façon, il y a toujours un prix à payer. Et nos soldats ne se sont pas sacrifiés pour rien. Les Japonais ne sont pas les seuls à avoir le sens de l'honneur, hein ? Je ne pense pas que pour ces pauvres diables, le code de l'honneur soit leur plus grande priorité. Ils sont trop occupés à survivre. Leur pays n'est plus qu'un vulgaire caillou au milieu de l'océan. Pauvres diables. N'oublions pas qui a commencé dans l'histoire, monsieur Wallace. Je ne l'oublie pas, monsieur Clayton. J'avais un fils à Pearl Harbor. Cette guerre me l'a enlevé. Alors vous êtes le mieux placé pour cautionner le sort que l'on a réservé aux Japs. Je me demande juste si tout cela était réellement nécessaire. Attendez, que voulez-vous ? Quand un pays veut s'ériger gendarme du monde, bah, il doit s'attendre à en payer les conséquences, hein ? Bon, maintenant, si vous voulez vraiment connaître les horreurs de la guerre, je peux vous présenter ma femme ? Et vous ? Auriez-vous un avis, hein, mon garçon ? Un avis ? À propos de votre femme ? Non. Je parle du conflit, enfin. Ah. Contrairement à vous, je ne trouve pas ça si beau, le sacrifice. Bien. J'ai perdu assez d'argent pour ce soir. Messieurs, il me faut vous quitter avant que cet orage ne me force à rester plus longtemps. Je crois bien que je vais vous imiter, mon ami. Parce que quand même, il fait tard. Alors que j'explique à mon épouse comment j'ai encore perdu une fortune. Whisky. Il y a un problème, monsieur l'agent. Je savais pas que c'était marqué au milieu de mon front. J'ai l'art pour repérer les flics. Vraiment. Peut-être parce que vous en avez côtoyé beaucoup. C'est juste plus facile quand leur visage s'étale en première page. J'ai jamais eu de très bonnes relations avec la police. Bon, il faut dire que mon ex-femme n'a pas vraiment aidé. Pour elle, avoir un mari en prison, c'était comme être veuve. Bon, après tout, pourquoi la plaindre ? Elle a bien assez profité de mon argent quand j'étais en taule. À cause d'elle, je me retrouve entêté jusqu'au cou. Condamné à tricher aux cartes pour voler des pauvres types dans cette auberge minable. Heureusement, la défunte ne causera plus aucun tort à personne.
Nous les avons suffisamment observés. Nous avons ensemble assisté à chacun des méfaits que nos personnages ont accomplis. Vous en savez assez sur eux pour les détester, non? Alors, nous allons pouvoir ouvrir le bal. Un bal de sang. Mais, ayez la conscience tranquille. Tout ce qui va arriver ici arrivera car ils sont de mauvaises personnes. Ce doit être une sorte de châtiment. Et vous, cher auditoire, vous êtes assis au premier rang. Mais il nous manque encore l'élément déclencheur. Pour l'instant, contentez-vous de vous délecter du spectacle. Je vous offrirai bientôt ce qui vous est dû. Excusez-moi. Oui. Pardon. Qu'est-ce que vous lisez? Quel est votre nom, jeune fille? Je m'appelle Clara. C'est un très joli nom. Eh bien, jeune fille, je lis le seul livre qui mérite réellement toute mon attention. Qu'est-ce que c'est? La Bible. Ah. Voyez-vous cela, vous lisez la Bible? Oui, la Bible, demoiselle. Pas très étonnant pour un révérend. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ses chefs sont dans son sein, comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes, pour assouvir leur cupidité. Mais vous, demoiselle, vous êtes plutôt un loup ou une brebis? Quelquefois un peu difficile de faire la différence entre les deux. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ils sont des loups ravisseurs. Nous sommes le 2 septembre 1945. Cette date restera probablement à jamais gravée dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. À bord du cuirassé Missouri, ancré dans la baie de Tokyo, le général MacArthur, l'amiral Nimitz et les représentants des forces armées alliées ont signé ce matin, en parfait accord avec le groupe des vaincus, la capitulation de l'Empire japonais qui marque définitivement la fin du conflit le plus meurtrier de ce siècle. Face à la mine peu joyeuse du ministre de l'Intérieur Shigemitsu et les autres représentants du Japon, on est en droit de s'attendre à la joie, au rire et au sourire sur le visage des vainqueurs. Mais non. Sur le bateau, même les gagnants laissent place au silence. Ce sont les souvenirs de mort qui hantent encore les esprits de nos patries. Bordel! Qu'est-ce qui t'arrive là? Saloperie. C'est peut-être à cause du mauvais temps. Peu importe. Moi, je préfère la musique. Un bourbon, je vous prie. Juge Lawford. On se connaît? Jack Thompson.
agent de police. Enchanté. On s'est déjà rencontré, vous savez. Vraiment? Ouais. Au tribunal. Désolé, je n'en ai pas le souvenir. Ben moi, je m'en souviens. À deux reprises. La première fois, c'était pour mon coéquipier. La deuxième fois, c'était pour moi. Jack Thompson. La mémoire me revient maintenant. Mais vous savez, si je devais me souvenir du visage de chaque policier ripou... Mon coéquipier s'est suicidé dans sa cellule. Deux jours après une sentence peu justifiée. Qu'insinuez-vous ? Ce que beaucoup ont pensé tout bas. Facile de blâmer les décisions de ceux qui ont le cran de prendre des initiatives. Je vous défends de remettre en cause mon jugement. Le problème, c'est que mon coéquipier, il n'était pas plus coupable que moi. Il est mort par votre faute. Aujourd'hui, il a laissé une gamine derrière lui. Ça. Vous vous en foutez, vous. Vous n'étiez pas coupable. Si ma mémoire est bonne, agent Thompson, c'est uniquement votre dossier militaire si parfait et votre infirmité. Vous en sauvez les fesses auprès des jurés. Vous avez tué pas mal de Japonais pendant ces années de guerre. J'ai fait ma part. Et vous? Lui aussi a fait sa part. Bataille de Peleliu. 15 septembre 44. Vous étiez général à cette époque. Je faisais partie de votre unité. C'est quoi votre nom? Aujourd'hui, vous vous souciez du nom que je porte? Vous nous avez ordonné de prendre d'assaut une colline infestée de Japs ce jour-là. Vous saviez que c'était du suicide, pas vrai? Mais vous avez quand même donné cet ordre. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ouais. C'est souvent ce qu'on dit quand on veut rien assumer. Qu'en savez-vous? Des centaines de gamins se sont fait massacrer. Cette colline, nous l'avons prise! Soldats! Ne m'appelez plus comme ça! Messieurs, je comprends tout à fait que les hommes soient poussés à se haïr du... Qu'ils soient du même camp ou non. Mais nous ne sommes plus au Japon. Alors je vous conseille de ne pas reconstituer la bataille de Peleliu ici, dans cette auberge. Et je vous conseille la même chose. On n'est pas au Far West ici. Alors si vous avez des comptes à régler, faites ça dehors. Thank you.
Votre patience va être récompensée. Laissez-moi vous offrir le spectacle que je vous ai promis. Car ce que vous désirez par-dessus tout, c'est de voir les loups dévorer les brebis, non ? À la tête, vieux. Vous allez tous m'écouter attentivement. Personne ne l'ouvre et personne ne bouge. S'il y en a un parmi vous qui veut faire le mariole, mon flingue lui expliquera ce que je viens de vous dire. C'est clair ? C'est clair. Marcus et la gamine, joignez-vous au groupe, s'il vous plaît. Et puis quoi encore ? Pour qui tu te prends ? Juge Lawford, venez me voir, s'il vous plaît. Voilà. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder derrière le comptoir et prendre ce que vous y trouverez ? Braquez-le sur eux. Bien. Je crois que tout le monde est à sa place. Mon Dieu, chien, qu'est-ce que tu fous, Jack ? Tu crois que ton arme et ta plaque de flic te donnent tous les droits ? Marcus, je croyais t'avoir dit de la boucler. Espèce d'enfoiré ! T'as flingué ma guibole ! Sale flicard de merde ! Ferme ta gueule, Marcus. Ma plaque me donne le droit de te buter si j'en ai envie. Bon.
Si vous êtes des habitués de ce lieu, je suppose que vous connaissiez l'Irlandais. Et tout comme moi, je suppose que vous ne l'avez jamais vu sobre un seul jour de sa vie. Hmm ? Oui. Mais il y a un truc que je sais. C'est qu'aucun alcool ne peut vous faire gueuler comme ça jusqu'à votre mort et vous faire vomir tout le sang que vous avez dans vos veines. On est d'accord ou pas ? Hein ? On est d'accord. Ce qui m'amène à une affirmation. Le verre qu'il a bu ne contenait pas que de l'alcool. Tout ça, ce sont des foutaises. Des délires d'un pauvre détective qui sait plus ce qu'il raconte, tellement l'alcool lui est monté à la tête. Mon fils, il est encore temps de vous réveiller avant que quelqu'un d'autre ne soit tué. Mon père, je vous remercie pour cette petite attention, mais je doute que ce soit un serpent maléfique qui ait mis du poison dans le verre de ce pauvre homme. Alors vous êtes gentil et vous me laissez faire mon travail. Hein ? Mais qui pourrait vouloir faire du mal à cet ivrogne ? Exactement ce que je me suis demandé. C'est vrai. Qui voudrait empoisonner un vieil ivrogne ? Hmm. Qui ? Hmm ? Ce qui m'amène à une deuxième affirmation. Le verre qu'a bu ce pauvre homme, il n'était pas pour lui. Bordel, mais tu délires. T'es complètement givré, Jack. On n'est plus au Japon, mon vieux. La guerre est finie. Ah ben moi, je suis prêt à vous mettre mon billet. Que l'as du poison, il est parmi vous. Et qu'il avait pour cible... le juge Lawford ici présent. Alors vous m'accusez d'un meurtre ? Vous n'avez pas vraiment caché votre rancœur envers le juge tout à l'heure, non ? Mais depuis qu'il est ici, j'ai pas quitté cette table. Si on en croit la presse, monsieur l'agent, vous avez vous-même toutes les raisons de vouloir sa mort, non ? Ah, c'est vrai. Mais bon, moi je respecte la loi. Votre plaque fait la différence. Exactement. Alors ? Si c'est pas monsieur Tour de Passe-Passe qui a fait le coup ? J'aimerais bien savoir qui. Et pour quelle raison ? Moi, j'ai la raison. Approchez. Donnez-moi ça ! Maintenant, on peut dire que tout le monde est à sa place. Alors, c'était toi. Le coup des photographies aussi, j'imagine. Pour s'en méfier, tu... Rien qu'une pute à tes yeux. Et pour une pute, mon argent ne te suffisait pas ? Non. Il m'en fallait un peu plus. Et donc ? Qu'est-ce que tu veux ? D'abord la mallette. D'accord. Thank you.
commence à bien viser. Je vais te crever, salope! Nom de Dieu! Je vais te crever, sale chienne! T'as imploré Dieu pour de vrai maintenant! Tu vas le rejoindre bien, ton connard! Va au diable! Bordel de merde! Écoute, le magicien. Je sais pas dans quoi ces deux gars sont embarqués. Vas-y, salopard. Explique-moi dans quoi j'étais embarqué. Dans cette maladie d'à 100 000 dollars. Je devais changer cet argent contre des photographies. Les choses ont changé, j'ai l'impression. Tout à fait. Mais toi, t'as encore rien fait de pardonnable, alors. On n'a qu'à passer au marché, tous les deux. Espèce de salaud!
N'écoute pas ce qu'il dit. Tu vas pas laisser parler ces pétasses à ta place. Tue cet enfoiré. Dis-moi ce que t'as à me proposer. C'est simple. Tu n'as qu'à cadavériser ces emmerdeuses. Et l'argent sera à toi. Ça, c'est des foutaises. N'oublie pas qui je suis. J'ai des relations. Pour l'instant, t'as encore rien fait de mal alors. Fais ce que je t'ai dit. Prends l'argent et t'auras pas de problème. Ouvre la mallette. Aussi doucement que possible. Bordel de merde. Tu vois le magicien? Pas de mensonge. Combien t'as dit qu'il y avait? 100 000 $. Pour toi. Je bute ces filles-là, et j'encaisse le pactole, c'est ça le marché? Oublie ça, enfoiré. Mais bordel! Mais qu'est-ce qui tourne par rond chez toi? T'es pas en train de tomber amoureux de ces deux pétasses? Franchement, j'en ai rien à branler de tes 100 000 $. Ok, oui, ça m'est complètement égal ce qu'il y a dans la mallette. Il y a un truc qui n'est pas égal. C'est les centaines de gamins que t'as entraînés à la mort à Pelélio. Mais tu mélanges tout, mon gars! On n'est plus au Japon! On est dans une putain d'auberge et t'es sur le point de crever comme un chien! Sur ce point, le flic avait raison. J'ai beaucoup de mal à ravaler ma rancœur. Thank you.
dress on my own to survive in this world. Who bad the big bad world? An insanity for a woman like me, cause all men want to play with my body. And all I want is to spend time with you. I'm gonna move the fight just to kill a gentleman tonight. So supposed to see, I've got a feathers dress just to fly away. Is there new how to play? But all I have is a dress for you. You're my bride and I know your lips got it true. And all I want is to spend time with you. I'm gonna hold the fight just to kill the gentleman tonight.